Bonjour tout le monde, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 19 août. Je vous ai fait un live hier qui a duré donc 2 heures. Merci encore d'y avoir participé. Aux personnes pour lesquelles je n'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps de traiter la question, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. N'oubliez pas non plus que je fais ça sans filet. Donc je ne prépare rien à l'avance. Hein. Et donc ça me prend énormément de temps et d'énergie. Uniquement pour essayer de vous aider grâce à mon intuition. Donc voilà, je vous demanderai de faire preuve, évidemment, un petit peu de compréhension. Et puis n'oubliez pas aussi que je donne des consultations. Voilà. Alors avant que j'oublie, ben, faut que je vous présente encore le bracelet. Là. Enfin, celui-là, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà, alors attendez, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit parce que j'ai tendance à oublier avec toutes les pierres, n'est-ce pas? Donc voilà, celui-là, c'est une pierre de jaspe. Voilà, je vous le montre. Très joli bracelet, avec plein de jolies couleurs. Et donc, eh bien, il nous aide à réduire les peurs et les incertitudes. Donc, il nous donne également, eh bien, un sentiment de calme. Voilà, donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de vous ouvrir ce joli bracelet. Il y a 15% avec le code MELI. Alors, ceci étant fait, on va regarder un peu l'histoire de sursens. Alors, vous mettez dans le sens. Hein. Je vais le dire une fois pour bien me faire comprendre, censure, voilà, vous avez compris. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous resserrer un petit peu les rênes de la sursens? Bon, alors vous allez me dire, ouais, il y en avait déjà. Oui, c'est vrai, il y en avait déjà. Mais là, on a une loi qui va passer dans quelques jours, hein, le 25, qui va encore plus durcir la sursens. Et moi, je voudrais savoir pourquoi. Voilà. Donc, on va demander. Alors, on va prendre le symbolon que je découvre. Voilà. Que j'ai reçu en plein live vendredi. C'était assez amusant, d'ailleurs. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein, qu'on sonne à la porte et on m'apporte un jeu. Enfin, bref. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais sinon, voilà. Sinon, j'aurais pas le jeu pour le live. Comme ça, j'ai pu le montrer en direct. Donc, on va prendre le symbolon et puis on va prendre l'oracle du subconscient et éventuellement le Black Mirror. Voilà. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument durcir la sursens? On va demander, on va regarder ce qui sort. D'accord? Alors, les questions de spiritualité et les questions de... Alors, ça... C'est quand on n'arrive pas à leur déterrer une épée, ouais. C'est comme si aussi il y avait un manque d'union quelque part. Il y a un chef qui manque. Alors, je sais que ça renvoie un peu au roi Arthur, vous savez, qui déterrait l'épée du rocher. C'est aussi une impossibilité. Hein. Ah bah voilà, une impossibilité de déterrer l'épée. Donc c'est pour nous faire taire. Bah oui, je viens de comprendre. Oui, ouais, bah, il me faut du temps, mais je comprends. Je connais pas le jeu, je le découvre. Hein. Donc spiritualité, eh bien, on veut nous empêcher de déterrer l'épée. Donc empêcher de faire l'union et en fait nous laisser, ou plutôt nous faire pas nous faire taire, mais quelque part nous rendre impuissants. Ouais, c'est ce que je vois là-dessus. Mais c'est nous en fait. Cette sursens, elle nous vise nous, n'est-ce pas, chère Wendy? Pauvre Wendy qui a vraiment, qui est allée un peu se faire massacrer par la sursens, hein, puisqu'elle a été punie pendant une semaine pour rien, parce qu'elle a vraiment rien dit. Hein. Enfin, si, elle a dit la vérité. Et évidemment, ça dérange. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour nous empêcher d'agir, tout simplement. D'accord, ok. Oui, d'accord, mais pour nous empêcher d'agir, mais pourquoi? Pourquoi maintenant, quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Mais c'est nous qui sommes visés, vous avez vu tout de suite, la spiritualité. Hein. Donc ça veut dire que si les gens qui sont dans la médisance, la violence ou la bêtise ou tout ce que vous voulez, bah eux seront pas embêtés. Bon. Alors ici on a bien une nouvelle qui afflige. Oui. Ah, la prison carrément. Oh là là. Une séparation qui se fait, un éloignement et un pouvoir. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pour accentuer une division qui va se créer par rapport à un pouvoir. Alors, cette carte-là n'est pas mauvaise. Je l'avais sortie dans la vidéo précédente sur le Blue Bay. Elle avait évidemment un sens différent. Mais là, quand je mets les deux en perspective ici, pour moi, ça c'est un roi qui est tyran, qui veut emprisonner les gens.
Donc ça veut dire pourquoi maintenant? Ben pour empêcher les gens de trouver une consolation quelque part, pour accentuer la division entre les gens, donc pour les empêcher de trouver une consolation, pour les faire se diviser encore plus et pour asseoir un pouvoir dictatorial, quoi. Ouais, d'accord. Donc pour renforcer en fait le pouvoir existant. Et là, à mon avis, les contrevenants, c'est-à-dire que ceux qui ne respecteront pas la sursang pourront être vraiment punis, hein. C'est embêtant quand même ce que je suis en train de vous sortir. Ouais, d'accord. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi est-ce que là, c'est maintenant? Qu'est-ce qui nous prépare en gros? Ah, c'est toujours les enfants, hein. Il y a quelque chose en préparation encore avec les enfants. Il y a un danger par rapport aux enfants qui arrivent. Donc en fait, c'est aussi pour nous empêcher, donc pour nous empêcher de consoler les gens. J'ai le chat qui est là. Bah viens, viens, Poufi, viens. Comme d'habitude. Pour les empêcher de voir le danger. Mais il y a aussi. Du coup, je me suis perdue dans mes explications avec Tofi. Oui, mais c'est aussi pour. Parce qu'il ne faut pas qu'on prévienne par rapport aux enfants. Alors là, il y a une mauvaise partie. Ouais, parce qu'il y a une bonne partie, une mauvaise partie là. Il y a une dualité. Ah ouais, vous avez ici l'ange et le diable. L'ange et le diable. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise par rapport aux enfants? Donc ça, c'est la guerre et l'initiative, qu'on parte en guerre contre les mauvaises choses faites aux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer par rapport aux enfants, là? Ah, les maladies. Bon, alors, c'est très simple. En fait, ils vont accentuer la sursang parce qu'ils nous préparent encore un coup de traître par rapport aux petits, enfin aux enfants. Hein. Alors, je dis les petits, mais enfin, c'est les enfants. Et certainement pour les questions de santé. Voilà. Donc, il faut surtout pas qu'on aille parler à ce niveau-là. Voilà pourquoi est-ce que c'est maintenant. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau truc qui va arriver. Oh, ils sont rapides, hein. Moi, je le voyais pour... oui, 2024, 2025. Ouais, bon, bah... Ah, ils vont commencer là déjà, hein. Ouais, d'accord. Oh, ton fils! Ne dites pas qu'il a déjà faim, ce chat. C'est pas possible. C'est un ventre à pattes. Bon, alors... oui, donc, du coup... Voilà, j'avais dit que j'allais prendre le subconscient. Donc, c'est par rapport à une nouvelle mal plus loin à dire, hein, ou une supposée telle. Et il faut surtout pas qu'on parle à ce sujet, parce qu'ils se sont aperçus que nous, les cartomanciens, voyants, médiums et tout ce que vous voulez, alors pas tous, hein, mais il y a quand même une bonne partie qui a bien dit quand même que tout ceci n'était pas net. Ok, on va demander au subconscient. Alors, il y a un changement qui est en train d'arriver avec une bonne récolte, d'accord? Et une impasse. Alors, changement, bonne récolte, c'est changement avec succès. Donc, éventuellement, si c'est nous, c'est pour ne pas que l'on fasse bouger les choses dans le bon sens, hein, en fait. On va demander quel est l'intérêt de la sursang, ou plutôt du renforcement de celle-ci. Pourquoi est-ce qu'ils veulent renforcer la sursang en ce moment? On va voir s'ils me disent la même chose. Hein. Attendez, je vais m'occuper du chat. Voilà, il devrait être sage maintenant. Alors, on a une porte. Donc, on a bien quelque chose qui arrive. De nouveau, le lierre. Ben je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle beaucoup l'histoire de PASS, hein, les trucs qui ligotent. Les trucs donc qui enserrent, qui ligotent, qui étouffent, les contraintes. Les contraintes. La boule de cristal, ben ça c'est les voyants. Ben oui. Protection contre les voyants. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est en fait c'est marrant, ça fait deux fois que ça sort. Hein. On est dans le collimateur. Hein. On est dans le collimateur. Alors quand je dis voyants, c'est aussi les gens qui savent. Ça peut être évidemment les lanceurs d'alerte. Hein. En fait, c'est pas. Ça peut être. Il s'agit des lanceurs d'alerte, des gens qui réfléchissent et qui voient les choses. Qui voit notamment peut-être les trahisons arriver d'ailleurs avec le chat noir, hein, qui préviennent, donc protection par rapport à ces personnes-là. Bon, on va regarder ce qu'il y a sur la porte. L'horloge. Eh bien, écoutez, voilà, le temps nous est compté. Hein. C'est en route. Eh bien, voilà, regardez, c'est exactement ça. C'est bien par rapport aux enfants. Hein. Ils ne veulent pas qu'on puisse prévenir par rapport aux gosses. C'est ça, ça fait deux fois que ça sort. Alors, quoi par exemple? Alors, la bulle.
c'est mettre à l'abri, repli sur soi, donc il faut qu'on protège les enfants, c'est repli sur soi. Quoi par exemple? Quoi par exemple? Les questions de... Oui, donc si, c'est les questions de mettre à l'abri, hein, dans leur bulle, de les protéger, et donc de faire preuve de conseil et de sagesse. Donc ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Le trône, une personne d'autorité, la clé. Ah, je suis que embêtée par les chats aujourd'hui. Maintenant, c'est Mimine. C'est bon, quoi, mademoiselle, ok? Arrête de gratter tes papates. Hein? Ouais, ouais. Bon, donc là, il y a une personne d'autorité qui va décider quoi? Le jackpot. Qui va décider quelque chose qui va entraîner énormément d'argent. Il y a des histoires de sous. Ah ben voilà, regardez, le docteur. Donc c'est ça. Bon, ben voilà, ben on a compris. Donc en fait, tout ceci tourne par rapport à un nouveau donc, projet qui devrait rapporter énormément de sous à une certaine personne, une certaine autorité. Alors on ne sait pas si c'est les gouvernants, si c'est des médecins qui devraient donc toucher le jackpot par rapport à des choses scientifiques et notamment des docteurs. Donc, ils vont bien nous rebalancer un truc. Hein. Ouais, je vous avais dit que ça allait arriver. Hein. De toute façon, c'était visible en astrologie. Les fleurs, ça va nous être apporté comme un cadeau, comme d'habitude. Et ouais. Et on va encore nous faire peur. J'espère que vous voyez bien les cartes, l'épouvantail. Bon. Donc, c'est pareil. On va nous offrir le truc qui fait peur. Et tout de suite derrière, la solution. Hein. Oh, qu'est-ce qui m'énerve. Bon, excusez-moi. Mais bon. Donc, c'est bien ça. Alors, est-ce que ça va arriver en 2024? Qu'est-ce qu'ils ont, ces chats, à tourner en rond depuis tout à l'heure? C'est incroyable. Comme s'ils n'étaient pas gâtés, pourri gâtés, je vous assure. Attendez, j'ai mis dans le bon sens. C'est une ruine. C'est une ruine, ces chats. Bon. Alors, attendez, excusez-moi, je suis en train de râler, mais parce que je m'aperçois que mes cartes, elles sont retournées. Attendez, je vous demande 2 secondes, j'ai mis dans le bon sens. Voilà, donc j'ai poussé le jeu du subconscient et j'ai remis mon Black Mirror en ordre. Ça veut dire que les cartes, elles glissent tellement bien que... Alors, est-ce que tu peux nous confirmer que, donc là, sur 100, c'est pour nous empêcher de prévenir les gens par rapport au nouveau Vivi ou au nouveau Coco, comme vous voulez. C'est ça, en fait. C'est juste à cause de ça, en fait. Pas que, mais en grande partie. Donc, ça se rapproche. Alors, la solitude... Et ben voilà, la... c'est trop drôle, la pique-pique, hein, est-ce que c'est pas possible, ça sort, regardez, tac. Ouais, donc ils veulent bien nous isoler par rapport à ça. Hein. Tout est sorti à la coupe. Hein. Bien, donc ils veulent que les gens soient seuls, hein, avec leurs interrogations et leurs doutes. Alors, sommes-nous en danger, nous? Ben, on va regarder. Hein. Ben, c'est pas grave, on ira migrer ailleurs, hein, de toute façon... Il faudra simplement que les gens nous suivent. J'espère que vous me suivrez, hein, si je vais ailleurs. Parce qu'il y a d'autres plateformes, quand même. Bon, bah voilà, on avait solitude. Là, on a abandonné. La résilience, ça, c'est nous. Hein. Ah, bah encore. Hein. Attendez, je ne fais pas exprès. Hein. C'était toujours ça, mais c'est vrai. Voilà, il faut que les docteurs puissent continuer. Voilà, sur le chemin, voyez. Et que les gens sont abandonnés, soit se sentent abandonnés, et qu'ils ne trouvent pas possibilité de résilience. Donc, ils sont bien en train de nous préparer un truc. Hein. Alors, est-ce qu'on est en danger, nous? Bah oui, certainement. Certainement. Ils veulent nous faire disparaître, hein. Nous transformer en fantômes. Ghost, c'est fantôme. Alors, les émotions. Ouais, il faut qu'on fasse très attention. Careful. Sommes-nous en danger? Oui, il faut qu'on fasse très attention parce qu'on va être sur les montagnes russes. Donc, on va être secoué, quoi. En plus, j'ai horreur des montagnes russes. Moi, j'ai toujours la trouille là-dessus. Ah, pour ça, vous ne me ferez pas monter là-dessus, moi. Non, c'est pas possible. Bon, enfin, bref. Donc, en fait, oui, ils vont vraiment être très durs avec nous. Hein. Ouais. Bon, bah, on va porter un fardeau, quoi. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Alors, repos. Un repos. Trouver le repos. Alors, comment ça? Il faut qu'on trouve un endroit calme, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Mind Games. Alors, il y a 2 choses. Soit il faut qu'on trouve éventuellement une autre plateforme de réseaux sociaux qui soit plus calme. Soit il faut qu'on utilise un peu les torticolis intellectuels. Mind Games, c'est les jeux intellectuels. C'est-à-dire que, eh bien, on contourne la montagne ou on serpente comme le serpent. C'est-à-dire que, au lieu de dire certains mots, par exemple, on va dire sur 100. Voilà, c'est ça, les jeux intellectuels.
Donc, on peut contourner, on peut se faire comprendre. Donc, on peut utiliser même un langage particulier qui va faire appel à vos petits neurones. En gros, c'est ça. Hein. Photo, alors photo, photo, photo. C'est-à-dire photo. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Ah, peut-être parler par des images plutôt qu'avec des mots. Ouais, c'est ce que je fais souvent hein, dans mes vidéos. Je vous mets des photos aussi. Photo et destinée. Alors, pourquoi est-ce qu'il me met destinée? Ouais, par contre, il nous dit quand même que... Ouais, mais il nous dit quand même que malheureusement... Non, c'est pas ça, hein, photo, c'est pas ça. Photo destinée, loneliness. Non, je suis en train de comprendre ce qu'il est en train de me dire. Il me dit que malheureusement, on risque quand même d'être fiché. Ouais, c'est ça qu'il est en train de me dire. Il me dit que malheureusement, même si on utilise des jeux intellectuels ou des tournures, on va dire, compliquées pour éviter d'être repéré, ils nous ont déjà fichés, là. Voyez. Donc, de toute façon, on va finir par être isolé. Donc, les vidéos que je vous fais, là, sont très importantes, quoi. Je vous ai fini de faire celle du Blue Bay. Celle-là, je voulais vous la faire depuis des mois, j'y arrivais pas. Mais c'est certainement une des vidéos les plus importantes avec celle que je vous ai faite sur la religion mondiale. Hein. Donc, les nouveaux venus que je salue, je vous encourage à aller voir ces vidéos. Hein, parce qu'elles vous montrent vraiment la réalité. Bon, alors. Donc, ça va être gelé pour nous, quoi. L'hiver... Winter is coming. Ouais, d'accord. Water. D'accord. Passivité. Bon, il va falloir qu'on soit vraiment très discret. Bon. Est-ce que ça, c'est transformé comme une ombre? Et ça, c'est être au calme. Hein, l'eau, ça bouge pas. Donc, il faudra vraiment qu'on soit un peu passif. Est-ce qu'on pourra trouver des solutions sur d'autres plateformes, du coup? Oui, Love Spell, c'est les sorts pour attirer l'amour, quoi. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des plateformes qui soient sympas, qui nous disent « venez chez nous », en gros, hein. Voilà, et qui soient prêts à nettoyer. Ça, j'en utilise, ça, c'est de la sauge. Attendez, je vais vous montrer. Bon, elle est pas mal abîmée, la mienne, hein, parce que j'ai évidemment utilisé, voilà. Ça, c'est de la sauge qu'on fait brûler, vous voyez, ça ressemble. C'est fait justement pour nettoyer les mauvaises énergies. Donc, c'est ça. Il faudra qu'on aille vers des plateformes où il n'y a pas des mauvaises énergies. Bon, alors, est-ce que les gens nous suivront? Parce que si vous ne nous suivez pas, je suis en train de mettre des cendres partout. Ouais, ça va être un peu... Ben, ça va être un peu nébuleux, apparemment. Est-ce que ça va être un peu nébuleux? Ouais, il y aura moins de monde sur d'autres plateformes. C'est un peu dommage, quoi. Ben oui, YouYou, c'est une super plateforme, on peut pas dire, hein. Mais malheureusement, je crois que ce sera nécessaire. Ah, je pense qu'il n'y aura pas autant de gens qui suivront. Hein. Non. Ouais, il y a les pleurs, là. Bah, écoutez, on postera des vidéos autant qu'on pourra, hein. Autant de temps qu'on pourra. Mais après, bah, si vous partir ailleurs, on partira ailleurs avec des regrets, hein, effectivement. Des regrets, des larmes. Tant pis, j'espère que vous suivrez. Parce que sinon, on n'aura pas beaucoup de possibilités pour communiquer. Hein. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a sur 100? C'est parce qu'ils vont nous mettre en route une nouvelle, le mal plus loin à 10, tout simplement. Et qu'il ne faut surtout pas qu'on en parle. On va essayer de savoir un petit peu par rapport à cette maladie. Pardon, je l'ai dit. Ah, bah écoutez, tant pis. Hein. Si on peut avoir des infos, d'accord, hein, comment est-ce qu'elle va arriver ce qu'elle va provoquer. Alors, attendez, je vais vous prendre moi comme jeu pour ça. On va réessayer avec le Dixit. Ouais. Ok, on va voir. Allez. Alors, au sujet de nouveau cocon, on va l'appeler comme ça plutôt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Je trouve qu'ils ont fait pas mal d'essais. Hein. Il y a eu plein de... Il y a une carte qui s'est retenue. Il y a eu plein d'essais. Il y a eu le truc du singe, vous vous rappelez? Puis il y a eu... Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, il y a eu du virus de truc, là, de Marc Truc, Marc Plouinbourg. Il y a eu la maladie X, il y a Eris, il y a eu plein de variants. Enfin, je sais plus, j'ai perdu la liste. Hein. J'ai perdu la liste, mais il y en a... Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon. Alors là, la carte qui est tombée, ça veut dire qu'il y a des histoires de confifi qui sont dans l'air, mais pas que. Il y a aussi des histoires de surpopulation éventuellement. Donc, il y a des histoires de stérilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est leur but. Leur but, c'est quoi? Ben, leur but, c'est la dépopulation qui fait population, n'est-ce pas? Parce qu'on est trop nombreux et qu'il n'y a plus de ressources. Bon, ok.
D'accord. Donc, ça veut dire que la prochaine, le prochain truc risque d'être costaud. On va regarder un peu. Alors, toujours le danger. Le danger et les gens qui défendent, évidemment, leur potager. Donc, les questions de ressources aussi et les questions de danger. OK. Mais moi, je voudrais des infos sur le prochain vivier, le prochain coco. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Oups, elle a sauté du jeu, celle-là. Alors, ce sera encore dans les apparences. Alors, c'est un truc qui va muter ou qui va se transformer. Bon. Là, il y a la question de transformation. Alors, il y a les grenouilles. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Il y a le côté aquatique, l'eau. Ah oui, ça, c'est la deuxième maintenant. Ça, c'est Mimine. Et qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est pas possible. Et laissez-moi faire ma vidéo. C'est pas l'heure de manger. Hein? Bon, alors, excusez-moi. Vidéo interrompue par les chats. Ouais, donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, ça va être dans les apparences. Hein? Vous avez le pan. Donc, il déploie la roue. Et donc, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Donc, un truc qui va se transformer. OK. Donc, ils vont transformer, en fait, un truc existant, je pense. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il y aura encore des discussions par rapport aux enfants. Vous voyez, ça ressort tout le temps. Hein. OK. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur le contexte? Comment ça va arriver? Est-ce qu'ils vont nous faire le coup encore du pampan? Du pampan? Vous vous rappelez l'animal, hein, je ne vais pas le dire. Ou est-ce que cette fois, ça va être une chauve-souris ou ça va être encore autre chose? Alors, ils risquent de nous sortir un truc du passé. Ils vont nous remettre un truc du passé, apparemment. C'est une vieille maladie, ça. Vous voyez, c'est quelque chose, une vieille coupe qu'on a remisée. Donc, c'est un vieux truc qui a déjà marché dans le passé et qu'ils vont nous remettre. Ça ne va pas être le coco, quand même. Ça va être autre chose, je pense. Mais une vieille maladie qui va revenir. Je pense que ça va être ça. Et ça va encore provoquer ouais, des séparations, des conflits. Vous savez qu'il est terrible. Ah, hein, oh, ce chat. Bon, OK. Alors, on va regarder au niveau des organes, peut-être. Je ne sais pas si on va l'avoir. Alors, au niveau des organes. J'ai bien un personnage sur la carte, mais au niveau des organes, bon, il y a une tête de mort. OK. Je vois pas ce que c'est au niveau des organes. Non. Là, c'est alors c'est quelque chose qui va arriver et on va pas le voir, d'accord. Donne-moi un peu les organes là parce que j'ai bien une idée là, mais le scarabée. Alors est-ce que ça peut être la tête? Ouais, je vois la tête moi. Ça peut être la tête. Là, il y a quelqu'un qui est en colère. Donc, c'est effectivement la colère, c'est les émotions. Ouais, je vois pas là. Franchement, non. Attendez, je parle à notre jeu. Mais apparemment, là, ce sera la tête. Bon, écoutez, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y aura bien quelqu'un qui va intervenir bah, à l'Olympique. Hein, certainement, des malfaisants de la santé qui va vouloir intervenir à ce niveau, je pense. Hein. Voilà, vous voyez, c'est encore caché, mais c'est là. Hein. C'est caché, c'est mis sur l'eau. Donc, de toute façon, voilà, vogue le navire, ça va arriver. Ça va encore déstabiliser tout le monde, hein, c'est sûr. Et on va encore nous faire le coup de « attention, il ne faut pas sortir, c'est dangereux ». Bon, bah, il y a un truc comme ça. Hein. Vous avez le gendarme ici. Bon, donc au niveau de l'organe, bah, je ne sais pas, moi je vois la tête. Hein. Est-ce qu'on peut nous confirmer? Bon, c'est quelque chose qui va s'étendre encore partout. Moi, je n'aurai pas d'autres organes, hein. Non. Et c'est bien une tromperie. Vous voyez ça, par contre, je l'ai. Alors là, il y a encore la question de tout détruire. Tout détruire quoi? Tout détruire et il y a des choses encore qui sont cachées. Donc ça va passer vraiment. Ils vont vouloir vraiment cette fois avoir tout le monde. Ouais, ils vont vouloir avoir tout le monde dans le collimateur. D'accord. Ok. On va voir si on peut avoir d'autres infos. Peut-être avec. Bah tiens, avec le Divine Actu. Tiens, on va regarder ce qui sort.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du prochain? Moi, je dirais la tête. Bon, écoutez, hein, c'est bizarre parce qu'effectivement, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Mais en 2020, ouais, 25, 26, ouais, par là, je vois vraiment des gros problèmes au niveau de la tête, effectivement, au niveau de la santé. Ouais, bah écoutez, c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais, là, ça risque de fiche la trouille. Bah écoutez, on verra si j'ai raison ou pas. Hein. Là, j'ai l'été. Bon, ok, on y est encore. Businessman. Bon, ouais. Pour l'instant, il me dit rien de l'inactue. On va regarder ce qui sort. Alors, est-ce qu'on peut nous donner peut-être des petites infos sur le prochain Vivi? On va regarder. Qu'est-ce qui nous sort? Secret. D'accord. Protection divine. Alors, pas tout de suite, la protection divine. Mais en tout cas, là, il y a un secret. KO. Bon, c'est pour nous mettre KO. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, le danger. Bon, ça, ça veut dire que de toute façon, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers dans le live, il y a une protection ici. Mais encore une fois, c'est des questions de croyance et de foi. Moi, je ne peux pas convaincre les gens qui n'ont pas la foi. Hein. Ce n'est pas mon but. Hein. Vous croyez en ce que vous voulez. Je vous dis simplement ce que je vois. Bon, après, certains croient ou pas, à la rigueur. Hein. Bon. Chacun est responsable. Mais là, vous voyez, il y a le danger. Hein. Accès interdit au public. Donc, ça va être vraiment un truc costaud. Hein. On voit bien ici avec le KO. C'est vraiment pour nous mettre KO. Voilà, vous aurez encore beaucoup, beaucoup de propas à ce sujet. Il faut y aller à fond, les manettes. C'est pour ça qu'elle a sur 100, hein, d'ailleurs. Hein. C'est évident. Oui, alors ça aussi, les questions de famine. Oui, alors c'est pas tout de suite non plus. Je sais que ça fait depuis 2 ans que je vous dis de faire des provisions. Alors, je suis désolée pour les gens qui ont râlé à ce sujet. D'un autre côté, moi, je préfère vous prévenir longtemps à l'avance parce que aller vers l'autonomie, ça prend du temps. On peut pas le faire du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Il faut du temps pour trouver et comment et quel budget et quoi, etc. Il faut du temps. Donc je crois que j'ai eu raison de vous prévenir 2 ans à l'avance, hein, puisque j'ai fait ça, j'ai commencé il y a 2 ans, parce que moi je vois à long terme. En astrologie, on voit toujours à long terme. Et avec tous les incendies que vous avez ici et qui vont continuer, eh oui, porteur de mauvaises nouvelles, tant pis, je n'y peux rien. Eh bien oui, il va y avoir un problème de ressources, tout à fait. Donc débrouillez-vous, mais ne restez pas avec des placards vides, d'accord? Fruits secs, pois chiches, riz, pâtes, ça se conserve énormément longtemps, même au-delà de la date limite. Hein. Graines germées, graines germées, graines germées. Enfin bref, on a des ressources, mais vous n'êtes pas, forcé d'avoir un potager, hein, d'accord? L'eau, par contre, l'eau, c'est plus embêtant. Pensez à l'eau. Alors... Ouais, chantage. Bah, il y aura du chantage par rapport à la nourriture. C'est évident, hein, on connaît leur plan. Oh, je vais me faire allumer dans les commentaires. Il faut que je me dépêche de vous poster la vidéo parce qu'avec la sursang qui arrive, la trahison, voilà, chantage, trahison par rapport à la famine, ils vont nous tenir par la nourriture. On le sait, tout ça, ça arrive. On est éloigné d'un petit peu, bon, l'île exotique, on s'en fiche, mais il y a peut-être des questions d'île. Avec cette histoire de coco, enfin de futur coco, je sais pas comment ils vont l'appeler. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Ou alors ça veut dire que les voyages seront interdits, en tout cas. Bon, bah écoutez, voilà, on sait d'où ça vient. Hein. Oups. Hop. Ah, l'affrontement final. L'affrontement final. Ouais. Bon, les hommes d'affaires qui sont derrière, d'accord. Ça, vous avez la rue, hein, pour ceux qui m'écoutent en podcast ou je sais pas quoi. L'Europe ici, les hommes d'affaires. Et sur le Vivi, qu'est-ce qu'on a? Ah, les LG trucs chouettes, évidemment, ils sont toujours là. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de ces gens-là. Alors, bon, l'Inde, on... ah oui, l'Inde, c'est les BRIC, S, et le contrôle mental. Bon, ok. Bon, pour la maladie, j'en sais... pardon, pour le coco, j'en sais pas plus. Mais moi, j'ai envie de dire, la tête est sortie. Voilà, la tête est sortie. Le côté colérique, alors, colérique, coléreux, donc je sais pas, ça joue peut-être sur les émotions. La suprématie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Parce que vous allez me dire, bah ouais, mais comment on va faire? Oui, alors comment on va faire? C'est une bonne question. On va demander aux cartes postales. Ah, j'avais encore un Dixit qui était caché en dessous. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le truc qui arrive?
ceux ici qui vont, on sait qu'on va nous faire la totale, mais j'ai dit que c'était les apparences, moi. Est-ce que c'est vraiment un truc qui est dangereux? J'ai quand même un peu peur qu'ils nous sortent un truc bien mastoc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, puis on va prendre le symbole, on tient aussi. On va prendre les deux. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dangereux? Ah ouais. J'ai un peu peur quand même que le truc, cette fois, il soit sérieux. Alors là, on a encore une division. Ouais, ça va encore créer de la discorde. Ça va encore créer de la discorde. Voilà. Dans la société. Puisque les choses vont arriver vite. Ils vont foncer. Ouais. Ouais, est-ce que c'est dangereux? Alors ça... Alors là, je ne sais pas. C'est la population... C'est vraiment une bonne carte, ça. C'est juste la population. Ça n'a pas l'air dangereux pour l'instant. Ah, si, il y a des gens qui vont partir. Ah, donc ça veut dire... Enfin, oui, d'accord. Les gens qui vont aisés vont partir. Qui sont aisés, pardon, vont partir. C'est les gens riches, ça. Ils vont partir. Il y a une séparation qui se fait. Donc, est-ce que c'est dangereux? Ben, il y en a qui vont quand même suffisamment avoir la trouille pour partir. Oui. Voilà. Et encore une fois, séparation. Donc, ouais, l'ange qui est là, alors, ouais, les anges. Ah non, mais il y a des gens qui vont à la trouille. Hein. Ouais, 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 ouais. Il y a les anges. Alors, je pense que il y a peut-être certaines personnes qui vont essayer de calmer le jeu. Mais, vous voyez, il y a la peur qui va jouer encore. Hein. Mais je ne sais pas si c'est dangereux. Attendez, je demande aux cartes postales. En tout cas... On va, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses qui me viennent. On va nous faire croire que c'est dangereux, ça c'est sûr. Mais comme moi, je vois quand même des problèmes à la tête à cette époque-là, hein, avec ma technique en astrologie, c'est que je pense que ça pourrait très bien être les effets du premier, enfin de la première pic-pic, vous voyez, qui se traduisent par des effets à la tête. Et si ça se trouve, ils vont relier ça avec le second coco. Là, je me fais bien comprendre. Ouais. Ah, regardez, j'ai le passeport qui sort. Et donc, il y a bien des gens qui vont partir. Hein. Ouais, passeport. Donc, il y a des gens qui vont prendre la fuite, qui vont avoir la trouille. Bon, dans les étoiles, espoir peut-être de trouver mieux ailleurs. Bon, ça, c'est une vue d'avion. Hein. Bon, ok. D'accord. On a compris que les gens allaient partir. Ok. Mais est-ce que le truc, il est dangereux? Bah, pas l'impression, moi, avec des cartes comme ça. C'est simplement les gens qui sont contents de partir. Ouais, il ne m'a pas répondu. Bon, alors, on va demander autre chose. Quel conseil on peut avoir, nous? Quel conseil on peut avoir? Ben, il y a le numérique qui arrive, là. Vous savez qu'ils veulent fusionner... attends, je vais ranger tout ça. Qu'ils veulent fusionner la carte d'identité avec le permis de conduire. Avec la sécurité sociale, l'accès au compte, etc. Il veut tout mettre en un. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc le conseil, bah, ce conseil, c'est de faire attention parce que, et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a aussi des gens qui vont partir. On va passer au tout numérique là. C'est un truc qui arrive là. Oui. Voilà, le temps. Vous voyez, le temps. Bon, mettre les lunettes. Et il va y avoir encore des contestations dans la population. Oui, il y aura des contestations. Oui. Contestation, c'est sûr. Voilà. Bon, vous avez la réponse. Et destruction. Alors, pourquoi destruction? Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir des pillages? Est-ce que c'est la criminalité? Ou est-ce que c'est encore les histoires de... comment dire? Comme ce qui est arrivé à Hawaï, parce qu'on sait très bien que ça a été... une énergie dirigée. Alors. Bah, en tout cas, il y a de la criminalité dans l'air, oui. Hein. C'est le diable, ça. En tout cas, c'est les gens qui sont très, très mauvais. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est la criminalité, là, que je vois. Ouais. Ouais, mais... D'un autre côté, c'est voulu, quoi. C'est fait pour donner une nouvelle orientation hein, au monde. Hein. Je vous dis, les incendies, on n'a pas fini. Hein.
Bon, là, il y a une préparation qui se fait. On étire les muscles. Donc, il y a une préparation qui se fait. Il y a aussi les histoires d'eau qui arrivent. Encore l'eau. Ouais. Le conseil, c'est quand même d'aller vers le calme. Hein. Voilà. Et garder votre cœur. Bon, ok. Bon, on n'aura pas d'autres conseils. Bon, on a suffisamment d'indices. Hein. Alors, par rapport au coco lui-même, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de carte qui va me dire ce qu'on doit faire, mais j'ai quand même la notion d'incendie. Oh, c'est pas possible. La notion d'incendie, la notion de famine, la notion du numérique et attention à l'eau. Bon, je vais aller m'occuper de lui, hein, je vais dire au revoir parce que sinon. Bon, on n'a pas la paix dans cette maison avec ces chats. Ok. Mais gardez vraiment votre cœur. Ok, je vous referai une vidéo, on verra s'il y a des techniques ou des méthodes pour se protéger par rapport au truc qui va arriver. Mais je pense quand même que ça va être beaucoup de propas. Beaucoup de propas. Et ça va être fait pour cacher les effets de ce que vous savez. À mon avis, je crois que ça va être ça. Voilà, je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.